Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque des jours avec un petit niveau 8, ça fait plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre petit archer, voilà, enfin nos petits archers, nos petites archers. Il a dit, oh mais je suis pas français là, c'est pas possible. Hein. Je suis surtout fatigué. Alors, est-ce qu'on va faire du Valticochon? Ah je sais pas, hein. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une très bonne idée? C'est une bonne idée ou c'est une très bonne idée? Oh, ça a l'air d'être une bonne idée, c'est déjà bien. Est-ce que c'est une très bonne idée, ça? Je sais pas. Eh bah oui, c'est une très bonne idée, mais carrément. Oh là là, mais de ouf que c'est une bonne idée. Hein. Enfin, une très bonne idée. Bon, alors j'ai fait un peu n'importe quoi. Oh, le golem... Enfin, le golem. Le géant ballon, je l'ai vu... Enfin, je l'ai fait et refait. Enfin, je le connais par cœur. Non, mais franchement, je contre assez facilement. Bah, d'un côté, il reste quand même assez compliqué à contrer. Hein. Il reste assez compliqué parce qu'il faut vraiment... Bah, disons que ça dépend comment il tire son ballon. Ça dépend comment il tire son géant et son ballon. Et franchement, il y a de fortes chances d'y arriver assez facilement. Alors là, par contre, ce que t'as fait, mon gars... Mais oh, tu vas le regretter, mais comme c'est pas permis. Tu vas voir, quand il y a ta tour qui va tomber, tu vas faire... Oh mince, pourquoi j'ai tiré le sorcier? C'était la seule chose qui pouvait contrer ce qu'il avait. Oh là là, qu'est-ce que je suis bête. Bon, la prochaine fois, je ferai gaffe. Oh là 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 là. Non, mais c'est vrai. Au fond, c'est vrai, quoi. Est-ce que j'envoie? Est-ce que j'attends? Non, vaut mieux pas que j'envoie, parce qu'il va mettre du ballon et tout ça. Il vaut mieux pas que j'envoie. Vaut mieux que je garde. Regardez, il va mettre où son ballon? Et ben voilà, bim! Et c'est ce qu'il faut pas faire, mon gars. Et bim, il faut le ballon, il faut le mettre au même niveau du géant. Sinon, c'est mort, je le contre quand tu veux. Bon, c'est vrai que là, il a réussi quand même à bien toucher. Oh, regardez là-haut! Oh, oh, regardez là-haut! Oh, regardez là-haut! Ah, putain. Moi, ce que j'ai là, le molosse de lave, si tu l'utilises bien, c'est l'équivalent du géant ballon. C'est vraiment l'équivalent. Parce que c'est le géant, enfin, en gros, c'est le molosse de lave qui devient d'un coup un sorte de ballon, c'est avec toutes ces roquettes de lave. Donc s'il est bien utilisé, ça fait du géant ballon assez facilement. Et ça, ça fait plaisir. Et en plus, ça coûte moins cher, ça coûte que 7 élixirs au lieu de 10. T'as envie de dire que franchement, c'est génial. Après, le géant ballon, il l'utilise extrêmement mal pour l'avoir utilisé beaucoup de fois, le géant ballon. Il l'utilise tellement mal. Non, moi, ce que je fais, c'est je mets le géant. Déjà, j'attends d'avoir full élixir. Je mets le géant. Après, ce que je fais, c'est que j'envoie le ballon. Enfin, tu vois, je mets le géant derrière, tu vois, bien derrière. J'attends qu'il passe. Là, je mets le ballon à ce moment-là. Comme ça, au moins, j'ai récupéré un peu d'élixir entre-temps. Et là, je peux sélectionner mes flèches pour essayer de les tirer au cas où que le mec envoie une horde de gargouilles, tu vois. Et c'est là l'intelligence. Et ouais. Et après, une fois que t'as tiré tes flèches, tu te prépares avec le sort de rage. Ou pas, si t'as pas l'élixir nécessaire, tu peux pas. Mais si tu l'as, t'en profites, tu prépares le sort de rage et boum, t'envoies et tu niques tout. Voilà. Enfin, tu défonces tout, tu vois. Bon, alors... donc, ça fait plaisir. Mais bon, voilà, donc là, il sait pas l'utiliser, malheureusement. Mais voilà, il apprendra peut-être au fur et à mesure dans le temps. Voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer sur ce. Une petite tas de joueurs assez sympathique. Moi, j'aime bien tout ce qui est destructeur, mais genre super rapidement, comme le ballon géant, le Valticochon, le molosse de lave. Franchement, c'est des troupes. Ça peut détruire une tour en deux secondes, quoi. Voilà. Donc, moi, je vais essayer sur ce. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao. Et puis, n'oubliez pas, restez cool.